dimanche, nous comptons sur vous tous, parce que nous avons besoin de vous. La Guadeloupe, elle est belle, elle est fière, elle doit continuer sur cette lancée. Elle doit être stable, elle doit être solide. En ces temps troublés, nous ne pouvons pas nous permettre de partir dans une aventure qui ne dit pas son nom et qui nous mènera peut-être dans les ténèbres d'une délinquance qui ne dit pas son nom, mais qui est bien présente. Attention, attention, on nous dit qu'on veut faire peur au peuple. Non, le peuple sait ce qu'il veut. Il sait faire la part des choses. Il sait choisir en son âme et conscience ce qui est mieux pour lui. Le peuple veut de la sécurité. Il veut de la stabilité. Il veut de la continuité. Il veut du progrès. Et tout cela, il n'y a qu'une liste qu'il offre. Une seule liste qui vaille, celle de Victorin Lurel. La Guadeloupe, toujours mieux, nous la portons en nous, chacun de vous ici, présent ce soir, à cette Guadeloupe-là, toujours mieux au fond du cœur, dans son âme. Alors aidez-vous, aidez-nous, nous avons besoin de vous, vous avez besoin de vous-même, nous construisons ensemble, tous ensemble, cette Guadeloupe que nous laisserons à nos enfants, surtout dans ces périodes troublées. Souvent je me dis, mais regarde le monde comme il va, est-ce ce monde-là que nous laisserons? Alors dans nos régions, dans nos territoires, nous devons faire en sorte que le pays soit apaisé, qu'on puisse se parler les uns les autres, sans mépris, mais dans le respect de ce que nous sommes, chacun, ce que nous avons à apporter à la population, chacun d'entre nous, et tous ici présents. Tout le monde a sa richesse, tout le monde est précieux, parce que nous portons tous cette Guadeloupe au fond de nous, cette terre où nous vivons, où nous allons être enterrés plus tard, sans doute, et avec force. Je vous dis que de nous aider à faire fructifier cette Guadeloupe-là. Faisons-la porter des fruits, faisons-la monter très haut, de plus en plus haut, pour que nos jeunes disent « Je suis de la Guadeloupe, je suis fier d'être de cette terre, parce que tout est possible, parce qu'avec Victorin Lurel à sa tête, à la tête de la région, avec les programmes et les dispositifs proposés, eh bien, il n'y a que le progrès et l'excellence. » Alors oui, la politique, je le disais tout à l'heure, c'est du service public, c'est se donner corps et âme à la population, aux personnes, pour les aider à monter les projets, à suivre leurs projets, être là, toujours là, faire monter les projets, faire en sorte que ce qui est attendu s'obtienne, guider toujours, expliquer toujours avec humilité. Personne, personne n'a la science infuse, on est intelligent à plusieurs. Sa pierre à apporter à l'édifice, et c'est ce que je veux vous dire. Nous avons besoin de tout le monde. Vieux habitants a besoin, dans ce combat pacifique là, de tous ses enfants. Alors apportez votre aide, apportez votre vote à Victorin Lurel. Nous vous le demandons avec humilité, avec combativité, avec gravité. L'heure est grave, sans faire peur, il ne s'agit pas de ça, mais l'heure est grave parce qu'il s'agit de l'avenir d'un pays, non pas à changer, mais à construire, de continuer à le construire avec toute notre force, avec tout notre amour, avec toute notre passion, avec la force de nos convictions. Je vous demande, population du boulevard, de descendre vers les bureaux de vote, de débouler, débouler vers les bureaux de vote, en masse, et nous voterons pour cette liste Victorin Lurel qui sera dès dimanche 6 décembre.